on, put your hands together for Jesus Christ. You can do better than that. Vous pouvez mieux que ça. Hallelujah. Amen. Please, you may have your seats. Veuillez vous asseoir. Hallelujah. Amen. The Lord is my shepherd. Le Seigneur mon berger. The Lord is my shepherd. Le Seigneur mon berger. Thank you for coming. Merci d'être venu. God bless you. Le Seigneur vous bénisse. I say God bless you. Que le Seigneur vous bénisse. May God bless your coming. Que le Seigneur bénisse votre venue. May God bless the works of your hands. Que le Seigneur bénisse les œuvres de vos mains. Hallelujah. Amen. Today is the day of your encounter with Jesus Christ. Aujourd'hui est le jour de votre rencontre avec Jésus Christ. Those of you who has never realize or understand the purpose of God or get to know your calling, after today your calling will be as bright as the morning star. So that vous qui n'avez jamais connu votre appel après aujourd'hui, votre appel va briller. Hallelujah. Amen. Viewers, I greet you. Téléspectateurs, je vous salue. God bless you. Que le Seigneur vous bénisse. Thank you. Merci. Let me take you to the book of Acts of Apostles. Vous pouvez aller dans l'Acte des Apôtres. Acts of Apostles. Acte des Apôtres. Let us look at Acts chapter 2. Le chapitre 2. Verse 1. Verset 1. When the day of Pentecost came, they were all together in one place. Suddenly, a sound like the blowing of a violent wind came from heaven and filled the whole house where they were sitting. They saw what seemed to be tongues of fire that separated and came and rest on each of them. All of them were filled with the Holy Spirit and began to speak in other tongues as the Spirit enabled them. As the Spirit enabled them. Comme l'Esprit le donne l'habilité. Let someone say Christ enablement. Christ enablement. Christ. I cannot hear you. Christ enablement. Christ enablement. That is my words of encouragement to you this morning. L'habilité de Christ, c'est mon encouragement pour vous ce matin. Christ enablement. A pure heart. Un cœur pur. A clean spirit. L'esprit propre will always encounter a good God. Doit toujours rencontrer un bon Dieu. The God of grace. Le Dieu de la grâce. People of God. Peuple de Dieu. The infallible spirit of the living God. L'esprit infaillible de Dieu. Called the Holy Ghost. Appelé l'Esprit Saint. Will always rest. Doit toujours se reposer. Upon those who take God's words into the heart. Sur ceux qui prennent la parole de Dieu dans le cœur. I mean, upon those who believe God's word. Je veux dire, sur ceux qui croient à la parole de Dieu. As Christians, en tant que chrétien, you must make use of every piece of God's word. Vous devez utiliser toute pièce de la parole de Dieu. Tell your neighbor, as Christians, dis à ton voisin, en tant que chrétien, you must make use of every piece, toute pièce, of God's word. De la parole de Dieu. Yes, God is in His Word. Dieu est dans sa parole. God and the Word are one. Dieu et la parole est un. He does nothing without the Word. Il fait rien sans sa parole. When you have the Word in the midst of your heart, quand vous avez la parole au milieu de votre cœur, you have the very presence of God
within you. Vous avez la présence de Dieu en vous. The Holy Ghost fall and rested upon those who took the word to the heart, in brackets, believers. L'Esprit Saint est tombé et est resté sur ceux qui ont pris la parole de Dieu dans leur cœur, en code, les croyants. And they were filled with anointing. Ils étaient remplis de l'onction. Of the Holy Ghost. Du Saint-Esprit. To preach the gospel with courage and authority. Pour prêcher la parole de Dieu avec courage et autorité. And their case became an argument in the camp of the enemy. Et leur cas est devenu l'argument dans le camp de l'ennemi. I want you to know that it is not just mere wishful thinking that makes someone a man of God. Je veux que vous sachiez que ce n'est pas simplement un simple désir qui fait quelqu'un homme de Dieu. Wishful thinking is what causes many to base spiritual facts on assumption, not on calling. Les pensées, c'est ce qui fait d'autres baser les faits spirituels sur la foi et non sur Dieu. Faith is not a feeling. La foi n'est pas un sentiment. That is, as Christians, prayer should not be taught as exercising techniques of mind control. En tant que chrétien, les prières ne seront pas apprises comme les exercices techniques de la mémoire. You not say that's a man of God because he's praying in tongues. No! God must enable you. If he has called you, he will give you enablement. I mean, he will make you fit for the assignment. Si Dieu vous a appelé, il va vous donner l'habilité. Il va vous faire à l'état de la terre. The disciples were with Christ. Yet, they were not fit for the assignment until the day enablement came upon them. Les disciples étaient avec Jésus, mais n'étaient pas prêts pour le travail jusqu'à ce que l'habilité de Dieu vienne sur eux. There is a teething problem between working with God and working for God. Il y a un problème entre travailler avec Dieu et travailler pour Dieu. Many who work with God believe they can work for God, but it is not true. Plusieurs qui travaillent avec Dieu croient qu'ils peuvent travailler pour Dieu. Or, c'est pas vrai. The fact that you work with God does not mean you can work for God. Le fait que vous travaillez avec Dieu ne veut pas dire que vous pouvez travailler pour Dieu. Two examples. Deux exemples. Peter worked with God. Pierre travaillait avec Dieu. And later work for God. Et après, il a travaillé pour Dieu. And today, he is the greatest apostle in the history of the church. Aujourd'hui, il est le plus grand apôtre dans l'histoire de l'Église. But Judas Iscariot. Mais Judas. Work with God. A travaillé avec Dieu. But was disqualified from working for God. Mais était déqualifié à travailler pour Dieu. So the fact that you work with God doesn't mean you should bear the title of a pastor. Le fait que tu as travaillé avec Dieu ne veut pas dire que vous portez le titre de pasteur. You must be enabled. Vous devez avoir l'habilité. Tell your neighbor, you must be enabled. Vous devez avoir l'habilité de Dieu. Let me take you to the book of 2 Peter chapter 1. Vous amène dans le livre de 2 Pierre chapitre 1. Let me take you to the book of 2 Peter chapter 1. Let's look at verse 21. 2 Pierre chapitre 1 verset 21. For prophecy never had its origin in human will, but prophets, though humans, spoke from God as they were carried along by the Holy Spirit. As they were carried along by what? The Holy Spirit. When you receive Christ's enablement, the enablement will carry you along. Quand vous recevez l'habilité de Dieu, cette habilité vous amène. He will tell you when to prophesy. Il va vous dire quand prophétiser. He will tell you when to heal. Il va vous dire quand guérir. He will tell you when to bless. Il va vous dire quand bénir. He will tell you when to deliver. Il va vous dire quand délivrer. That they rush with a sick man to you as a pastor does not mean you should stretch your hand because you have the gift of healing. Le fait qu'on amène un malade chez toi en tant que pasteur ne veut pas dire que vous devez lui prier pour lui parce que vous avez le don de guérir. That he was strolling on the street as a pastor and see a madman
very violent and aggressive, and you have the gift of healing or deliverance, does not mean you should quickly go and lay your hands on to calm the situation because you are called. No. Le fait que vous voyez un fou et que vous avez le don de guérir ne veut pas dire que vous allez prier pour celui-là parce que vous êtes appelé. The Holy Spirit, le Saint-Esprit, must give revelation, doit vous donner la révélation, instruction, l'instruction, and direction, et la direction. Our communication in prayer, notre communication en prière, is imperfect. Est imparfait. Unless it is aided by the Holy Spirit. Si ce n'est pas aidé par le Saint-Esprit. When the Holy Spirit takes up residence from within a Christian, quand l'Esprit Saint prend résidence en vous, he does so with the aim of helping you or aiding you to develop a holy character. Il le fait ainsi avec l'intention de vous aider à développer un caractère saint. Our Christian relationship with him form the basis of our Christian relationship with one another. Nos relations avec Christ forment la base de nos relations avec les frères. You must wait for God to enable you before you can embark on the assignment. Vous devez attendre que Dieu vous donne l'habilité avant de vous lancer dans le devoir. That is why today many pray, lay hands on people and the people are blessed and yet they are cursed. C'est pourquoi aujourd'hui plusieurs prient et posent les mains sur les autres et ces autres sont bénis. You stretch your hand, you lay on people and they are healed, but you are cursed. How does this appear to you? As a prophet, apostle, a pastor, a clergyman, a preacher of the gospel, that you slept last night and had one or two revelations and they came to pass does not mean you are a prophet. Le fait que vous avez eu deux ou trois révélations et ça s'est accompli ne veut pas dire que vous êtes prophète. Are you with me? Êtes-vous avec moi? That you slept last night and had a dream that your uncle would die and on waking up this next morning the uncle died does not mean you have started giving prophecies. Si vous avez eu un rêve que quelqu'un doit mourir, cette personne est mort, ne veut pas dire que vous devez donner les prophéties. That you carry a big Bible like a good luck charm does not mean you are a preacher of the gospel. Si vous portez une Bible comme un grand charme, ça ne veut pas dire que vous êtes prédicateur de la parole. Raising hands in worship, giving offerings, doesn't mean you are qualified or suitable. Lever les mains en louange et donner les actions de grâce ne veut pas dire que vous êtes qualifié. To be suitable, Christ must enable you with the Holy Spirit. Pour être qualifié, le Christ va te donner l'habilité par le Saint-Esprit. To be suitable, you must honor God with your character. Pour être qualifié, vous devez honorer Dieu avec votre caractère. To be suitable, you must stay focused, true to His words and His commandments, even though sometimes they are contrary to what you naturally want to do. Vous devez rester focalisé sur ses commandements et sa parole, même si c'est contraire de votre caractère. Christ enablement. L'habilité de Christ. The Spirit of God is not the spirit of confusion. L'Esprit de Dieu n'est pas l'esprit de confusion. But the indwelling grace of God within us that helps us to know God's opinion about ourselves and other people. Mais la grâce de Dieu qui réside en nous pour nous aider à connaître l'opinion de Dieu pour nous et les autres. Do you know God's opinion about yourself? Est-ce que vous connaissez l'opinion de Dieu vous concernant? If yes, can you tell me what can happen after this? Si oui, pouvez-vous me dire ce qui peut arriver après maintenant? When the Holy Spirit fills you, I mean settles within you, He transforms your ideas, your way of talking, your character, your attributes and everything about you into Christ-like way. That is when you begin to see things the way God sees them. Quand l'Esprit Saint réside en vous, il transforme votre caractère au caractère de Christ. Et vous voyez comme Christ. Peter was looking for fish. Pierre cherchait du poisson. But when the Holy Spirit took over him, his ideas were transformed from catching fish to catching men. Today, your ideas will be transformed. Et vos idées seront transformées. Was busy persecuting the church.
était en train de persécuter l'église. But the day the Holy Spirit captured him, his ideas changed. The same gospel he was against, he started standing for it. L'Esprit s'est appris dessus et ses idées ont changé. Some of you are here today. Certains d'entre vous sont ici aujourd'hui. To see if it is true. Pour voir si c'est vrai. You say, are you sure he is called? Vous dites, êtes-vous sûr il est appelé? Are you sure he is anointed? Êtes-vous sûr il est roi? I don't like him. Je ne l'aime pas. You are welcome. Sois les bienvenus. Let God enable you. It takes a man of faith to know a man of faith. Ce n'est qu'un homme de foi qui peut connaître un homme de foi. You don't need me to carry a big poster on my head and announce to you out there that I'm serving my Father in heaven. By my fruits, you shall know. Je n'ai pas besoin de porter une grosse plaque pour vous dire que je sais Dieu. Par mes fruits, vous me connaîtrez. Many of you here, you are my testimony. Plusieurs d'entre vous sont mes témoignages. The Holy Spirit is a respecter of nobody. L'Esprit Saint ne respecte personne. He does as he wills. Il fait comme il le veut. When he settles within you, he will give you wisdom that transcends human understanding. Quand il réside en toi, il te donne la sagesse qui est au-delà de la sagesse humaine. That is why the time you are expecting me to laugh, I frown. The time you want me to frown, I laugh. That is the mystery of the Holy Ghost. Let someone say the mystery of the Holy Ghost. Le mystère du Saint-Esprit. Let God enable you. In Jesus Christ's name. Amen. May God bless His word to you.